Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore avec Boucha. Pour le coup il a rapti ici, il a décidé de s'asseoir, il m'a dit allez Jigfio, tu vas être un petit peu plus grand, ça va te changer. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau concept. C'est le concept de José chez vous. Donc encore une fois on tourne avec le micro de la caméra, ça va être beaucoup plus facile. C'est le premier épisode. Donc les amis, trêve de bavardage et puis lancement. Du coup les potes, là il va falloir réellement exploser le compteur de likes et le compteur de commentaires, savoir si ce concept vous plaît. Pourquoi ? Parce que ça va être vraiment pour moi inédit, c'est je me déplace chez l'un d'entre vous, là on le fait chez Boucha, vu que j'y étais pendant plusieurs jours, c'était intéressant de voir ce que sa machine avait dans le ventre en overclocking, mais le but c'est d'aller chez chacun d'entre vous, alors quand je dis chacun on se comprend, de sélectionner quelqu'un, d'aller chez lui et faire de l'overclocking. Donc le but va être plutôt pédagogique, ça va être de montrer différents matériels que vous utilisez, d'anciens processeurs et d'anciennes cartes graphiques. Le but c'est de justement ne pas les changer, et pourquoi pas par exemple voir avec une marque pour pousser pour avoir un nouveau refroidissement ou un nouveau boîtier, je sais pas, une nouvelle carte mère, de la RAM par exemple. Ça peut être intéressant de voir les différences qu'on aurait en overclocking ou même peut-être une alimentation, si l'alimentation imaginons n'est pas bonne ou autre, vraiment pouvoir upgrader un peu votre configuration tout en gardant l'esprit de l'overclocking, ça veut dire augmenter les performances de ses composants. Voilà, ça va être réellement le but. Donc là d'ailleurs je remercie Asus parce que Boucha a pu recevoir cette jolie Maximus Gené donc 11. Je les remercie aussi. Très jolie carte mère, pour le coup prévue pour l'overclocking avec deux slots de RAM, etc., etc. Je vous passe quelques plans. Et pour le coup, là, on va pas vraiment vous remontrer des paramètres d'overclocking ou faire de la pédagogie en vous montrant, etc., tout ce qui se passe dans le BIOS. Boucha a déjà la base de l'overclocking. Donc là, c'est juste vous montrer, encore une fois, ce que ça fait d'overclocker ses composants et ce qu'on peut y gagner, tout simplement. Et voilà. Donc le concept, comme je vous le disais, ça va être réellement à vous de vous apprendre les bases de l'overclocking. Quand je dis les bases, c'est overclocker sa carte graphique, son processeur et 2-3 petites opties dans votre Windows. Ça peut être intéressant, les bons logiciels à utiliser, faire des courbes de ventilation, etc. Et c'est vraiment faire une vidéo vivante avec vous. Voilà. Ça se passera du coup en deux temps, on fera bien entendu des benchmarks avec un score, des points et voir un peu ce qu'on peut faire. Un peu une sorte de NL contest entre vous et moi, bien entendu. Après, je vous demanderai de sortir 2-3 minutes de la pièce et j'essaierai de faire un plus gros score afin que vous, après, vous essayez de me battre. Ça va être un petit contest comme ça, ça peut être sympa et ça va rendre vivant la vidéo. Donc encore une fois, dites-le moi dans les commentaires et par les pouces bleus, comme ça je pourrai le pousser à plus ample marque. Si ça vous plaît et pourquoi pas, lancer le concept une fois tous les 1 mois ou 2 mois directement chez vous. Bon du coup maintenant on se retrouve sur le PC de Boucha, on va faire un peu d'overclocking pour rappeler la configuration, on est sur un 9900K. Donc un i9, vous savez qu'on n'a pas besoin de plus dans un PC. On est sur une 6900 XT, le tout refroidi en water cooling custom. Donc là, les températures, on n'a pas besoin de s'en soucier. Ça va aller tout seul. Qu'est-ce que t'as d'autre à rajouter sur le build, hormis que la RAM, je crois que c'est de la 3600C16, un truc comme ça, en 16Go. Voilà, donc on va vous montrer les performances avant, après, donc en benchmark et en jeu. Je vous reprends la main. Et puis c'est parti, allez à toutes. Du coup, la Boucha, on va principalement se focus sur la carte graphique parce que le processeur, tu m'as dit que tu l'avais déjà en partie overclocké. Moi, je l'ai poussé à 5 GHz constant. Ok, donc on va voir après pour aller faire vite fait un petit tour dans le BIOS. Les BIOS Asus, vous l'avez déjà vu pas mal sur ma chaîne, donc j'ai pas forcément besoin de vous le remontrer à chaque fois. On va essayer de le pousser un peu plus haut, c'est sûr. Voilà. Mais on va essayer d'aller chercher un petit 5.1, 5.2, pourquoi 5.3. Pas. Voilà, ça pourrait être sympa. Derrière, on va plus se focus sur la carte graphique. Donc déjà là, ce qu'on va faire, on va lancer les benchmarks à stock, puisque tu as juste overclocké le processeur. Donc je t'invite à aller dans 3D Mark et puis on va voir les points que ça fait. Et allez, c'est parti. Donc là, bien entendu, les amis, on lance FireStrike. Le but de cet overclocking, ça va être d'avoir quelque chose de stable que vous puissiez utiliser vous après. Donc le but, c'est pas de mettre vos composants dans l'instabilité, au contraire.
ça va être d'avoir quelque chose de stable et d'utile à votre utilisation de tous les jours. Donc bien entendu, si vous voulez faire du score, on pourra le faire, hein, ça n'empêche pas de pousser la configuration dans ces derniers retranchements et de voir un peu ce qu'on peut en sortir au final, mais le but ça va être réellement d'avoir quelque chose de stable et d'utile en jeu. Donc voilà, maintenant on lance les benchmarks, on voit les points et puis c'est parti. Ok, voilà, du coup les amis, on a un score de base de référence sur 3D Mark, on est à 34 119 points avec 56 126 points de score graphique, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est le score graphique qu'on va chercher avec 3D Mark à augmenter. Vous allez voir que le physique score va aussi automatiquement augmenter vu qu'on va toucher au processeur, c'est obligatoire. Maintenant on va faire un petit Cinebench R15, voir aussi avoir une base de points avec le processeur, et puis on va voir ce qu'on peut donner après. Allez, let's go! Du coup voilà les amis, le score qu'on a eu sur Cinebench R15 est de 2074 points et le cœur le plus chaud il est monté à 72 degrés. Donc bon, avec un water cooling custom c'est pas vraiment étonnant, hein. Voilà, du coup maintenant on va aller chercher du score. Au niveau des températures on est bon, on va essayer de pas excéder les 90 degrés au plus haut. Donc là on est quand même sur du rendu cinéma 4D, hein. Il faut se rendre compte que là c'est votre processeur tourne complètement à 100% comme si vous faisiez du rendu vidéo, hein. Donc bien entendu vous n'aurez pas des températures comme en jeu à 50 ou 60 degrés. On va vite fait faire un test en jeu, on va lancer Adel Isolation, d'ailleurs il était gratuit là sur l'Epic Game, donc on a téléchargé ça parce que le Windows de Boucha est tout clean, donc on va faire les essais tout de suite et puis on va vous montrer les FPS en jeu avec la 6900 XT et le i9. Ensuite on va aller overclocker tout ça en rapide, on va vite fait vous montrer les paramètres à mettre par exemple pour une 6900 XT dans Radeon Software et puis on refait les tests. C'est ça. Allez, à tout de suite. Du coup les amis, on se retrouve sur Alien Isolation, donc là on est toujours à stock, ça veut dire sans overclocking, et là on peut voir, bon, on a des FPS ultra hauts, hein. Le jeu date de 2013, on est à environ entre 377 et 383 FPS. On s'est mis spécialement ici, c'est juste pour montrer qu'il y a pas mal de particules, du feu, etc. Donc là, on va juste montrer les paramètres, hein. On est bien en 1440p, donc en Quad HD. Donc là, on le voit ici, on est en Quad HD en plein écran et on a tout en ultra. Donc on a tout à fond, le jeu est à fond, fond, fond de ce qu'on pourrait lui demander. Voilà, donc là, c'est juste pour vous montrer les FPS. Et on verra, en retournant ici au même endroit, si on a les mêmes FPS ou si on a beaucoup plus après l'overclocking. Allez, maintenant nous on va faire un petit tour dans le BIOS. Après on vous reprend sur le pilote graphique Radeon Software pour vous montrer les bons paramètres. Allez, à tout de suite. Et re les pattes, là pour le coup on lance Cinebench R15, donc on a pu monter le processeur à 5,2 GHz. Donc là on va le voir juste ici, on est à 1,35 dans le BIOS. Donc là on a à peine plus, on voit qu'il vient de finir le test. Ici on a donc 3600 MHz sur la mémoire, on l'a pas touché. Et on voit les températures qui ont un peu changé. Le cœur le plus haut maintenant il monte à 82 degrés, donc on est dans la limite qu'on s'était fixée des 90 degrés. 10 degrés de plus c'est pas énorme, après c'est pas étonnant avec un water cooling custom. Et on a quand même gagné pas mal de points, on était à 2070, on passe à presque 2200, 2197, on pourrait affiner un petit peu en allant chercher quelques points, mais c'est déjà pas mal. Donc là on a gagné quand même 130 points sur Cinebench R15, ça fait quelques secondes sur un rendu. Maintenant ce qu'on va aller chercher avec cette fréquence, c'est plus de FPS sur les jeux, donc on va le voir après dans Alien Isolation. Maintenant on va réellement s'attaquer à la carte graphique. Allez, à tout de suite. Ok, du coup les potes, là maintenant on est dans le réglage de la carte graphique. Ça peut être surtout très important pour vous là, c'est la ventilation. Nous on n'en a pas réellement besoin vu qu'on est sur du water cooling custom sur la carte graphique. D'ailleurs on peut le voir, les températures, elle est entre 27 degrés au niveau de la température GPU et 31 degrés le junction, c'est le hotspot de votre carte graphique, ça veut dire c'est le point le plus chaud, il est à 31 degrés. Donc bon, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On laissera ça un peu de côté pour vous montrer un peu les températures et l'évolution qu'on va avoir. Là ici on a le réglage donc de l'overclocking GPU. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas suivi ma vidéo overclocking un GPU AMD, je vous le remets dans le petit en haut à droite. Là maintenant on va passer au réglage de l'overclocking, on va vite fait faire ça en rapide et puis on va voir ce que ça nous donne en point. We'll be right back.
sur Firestrike, on est passé de 34 000 points à 36 000 points. Donc là, on est sur un overclocking stable, hein, je le rappelle. On n'a pas enlevé tout ce qu'on pourrait faire pour un HW boat, etc., etc. On sort 60 000 points, même très facilement. Hein, on ne s'est pas trop fatigué à le faire. Hein. Pour le coup, donc le physique score, ça correspond toujours à l'overclocking du processeur. On va comparer tous les scores qu'on avait avant et après, et vous allez voir qu'il y a quand même une petite différence. Voilà du coup les amis, là vous pouvez voir ben, que le gain malgré tout, même si c'est des composants très récents, ben, c'est très intéressant. De plus, quand on a un water cooling custom, c'est encore plus intéressant de faire ben, ce genre d'overclocking, parce que même 7%, ben, ça peut être très intéressant à gagner. Voilà. Du coup là on peut le voir, ben, 20 FPS, ça reste quand même très acceptable, et puis à voir ben, ce qu'on peut sortir en jeu maintenant sur Alien Isolation. Bon du coup Boucha, maintenant on est repassé in-game donc sur Alien Isolation, et tu peux nous parler un peu du gain hein, qu'on vient d'avoir? Ben maintenant on a gagné à peu près une vingtaine d'FPS hein, en moyenne. C'est assez sensé comparativement à ce qu'on a eu sur 3D Mark quoi. Exactement, exactement. Et vous voyez d'ailleurs que les FPS sont beaucoup plus stables, avant on jouait vraiment sur... ben, facilement une bonne dizaine de FPS, et là on est plus vraiment stable entre 402, 403 FPS, on monte des fois à 407, là on l'a vu passer vite fait. On voit aussi que les températures ben, sont toujours ultra maîtrisées, on est à 41 degrés sur le GPU, 56 sur le jonction, donc ça chauffe pas, et le CPU est à 51 degrés pour 20% d'utilisation. D'ailleurs je vous le passe vite fait là, donc là on a Core Temp, on voit toujours que les températures sont ok, et que bon, il est pas très stressé le CPU, qu'on est bien en 3600 et à 5,2 GHz pour 1,35, donc on a vraiment rien touché. Donc vous voyez que même in-game, ça peut être intéressant d'avoir des performances, et ben, le fait d'overclocker n'est pas si dangereux. Je reviendrai dessus peut-être sur une vidéo pour le faire aussi sur ma chaîne. Vous pouvez retrouver les vidéos de l'overclocking sur la chaîne de Guillaume et les logiciels qu'on utilise ici sur ma chaîne. C'est une des premières vidéos que j'avais fait, je vous les remettrai dans le petit en haut à droite. Et pour le coup, ben, dites-moi si ça vous plaît. Bon, maintenant on va repasser pour faire la conclusion de cette vidéo et dire les a priori et ce qu'en pense Boucha. Allez, à tout de suite. Ok, du coup Boucha, alors maintenant c'est à toi de parler. Je te laisse vraiment la parole. Qu'est-ce que t'en penses de l'overclocking, des températures en général, toi qui es modérateur et qui suis ma chaîne? Alors l'overclocking, pour moi je trouve que ça fait gagner une vingtaine d'FPS pour mon cas. Faut savoir c'est qu'il faut quand même penser à vos 3 refroidissement si vous faites de l'overclocking. Ça c'est très très important, parce que si vous faites pas attention à ça, votre overclocking va mal se passer. Et il faut pas oublier une chose, c'est que l'overclocking, c'est pas forcément le montée d'espèces, mais surtout la stabilisation de votre machine. Bon bah bien entendu, il faut comprendre aussi que quand on parle de stabilisation, ça peut créer aussi une instabilité, hein, ça dépend. Bien entendu, là ce qu'on a fait, c'est un overclocking stable, donc on a cherché des fréquences stables, avec quelque chose ben, qui va être réutilisable en jeu, en rendu, tout le temps. Le but, c'est que quand moi je viens faire cette vidéo, ben derrière votre machine soit stable, et ou si vous avez un souci, ben vous pouvez revenir en arrière et vous-même chercher les paramètres. C'est pour ça aussi, ça va être réellement une base d'apprentissage, et je pense que ça peut être réellement très fun. Quand on parle de stabilisation aussi, c'est parce que ben, physiquement, il y a pas mal de brides au niveau de vos composants, ben, pour éviter qu'ils chauffent, au niveau de Windows, les C-State pour les consommations et les mises en veille, enfin il y a plein de choses qui sont là dans votre PC et c'est important ben, finalement de les enlever si vous voulez avoir des FPS plus stables ou une certaine stabilité in-game. Voilà, je pense que c'est cette stabilité que tu disais. C'est surtout la fluidité de jeu. Mm-hmm. Hein, parce que quand vous avez un jeu qui un coup ça monte, un coup ça descend, un coup ça monte, et ben bizarrement vous avez l'impression que votre jeu il rame. Et en fin de compte, c'est l'instabilité qui fait ça. Donc au final, cette stabilité de FPS, donc c'est juste le fait qu'on droppera moins, et le fait de dropper moins, ça permet ben, nous de ressentir moins cet effet de lag in-game. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on essaye de rechercher avec l'overclocking, ou ben, finalement de ne pas changer ses composants et de pouvoir les garder encore ben, peut-être les 6 mois ou les 1 an de plus. Je pense qu'actuellement avec la pénurie, c'est ultra important. Voilà, donc... si le concept vous plaît, n'oubliez pas ben, de lâcher le commentaire et le like, parce que là, il va vraiment falloir que je pousse ça si le concept vous plaît. Donc une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ça peut être vraiment cool. Et pourquoi pas, ben, comme je l'ai dit, vous ramener des composants en fonction de votre besoin, que ce soit un refroidissement, un boîtier, de la RAM. Enfin, ça peut être réellement intéressant de mettre des produits en avant qu'on ne mettrait pas forcément en avant dans une vidéo dédiée. Donc voilà, ça peut être réellement intéressant pour tout le monde de voir les performances
de divers produits. Alors n'oubliez pas de nous dire si le concept vous plaît. Et puis si vous voulez retrouver Boucha pour tout ce qu'il a fait, que ce soit les Death Mode, la modification des PC, le Water Cooling Custom, c'est sur mon Discord. Et sinon le reste ça se passera sur mes réseaux sociaux. Allez voilà les potes, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jig, à la prochaine. Ciao ciao, ciao, ciao.